Hello, bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu vois ma tête dans les suggestions de vidéos sur YouTube et que tu aimes ce que tu vois ici, ben je t'invite à liker, partager, t'abonner et à surtout activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu es tout de suite avisé. Et pour tous ceux qui sont anciens ici, merci beaucoup, c'est vous qui faites la force de ma chaîne. Alors aujourd'hui, cette vidéo est en petit instant pub. Hein. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Edens & Coty. Je vais vous laisser toutes les infos dans la barre d'infos qui fait en fait des bonnets pour l'automne et pour l'hiver, hommes, femmes, puis enfants. Donc, comme vous pouvez voir, la tuque que je porte, je vais vous laisser toutes les informations, tous les détails que vous avez besoin de savoir. C'est une Black Owner Business. Donc, depuis qu'il y a eu le Black Lives Matter, vous savez qu'on essaie en fait de se soutenir les uns les autres, que la communauté noire puisse avoir de la visibilité. Et donc, justement, cette marque-là m'a approchée et j'ai beaucoup aimé le modèle que je porte actuellement parce que, bon, il y a le logo de l'Afrique dessus. Depuis que je suis ici, j'aime beaucoup revendiquer mon appartenance au continent africain, même si ça fait longtemps que je vis au Canada. Donc, l'intérieur de la tuque est doublé de satin et acrylique, je pense, justement pour sceller l'hydratation de vos cheveux pendant l'hiver. Toutes celles qui sont ici pour l'hiver et l'automne savent c'est quoi notre struggle quand on a les cheveux courts, qu'on est nappy, qu'on est ceci. Donc, je vais vous laisser toutes les infos dans la barre d'infos. Et bien évidemment, vous savez que je ne fais pas de publicité de choses que je n'ai pas testées. Ça fait 2 semaines que j'ai la tuque, 2 semaines ou 1 semaine et demie que j'ai la tuque. Et vraiment, ça me tient au chaud. Là, comme ça, je peux mettre mon manteau d'hiver sans avoir à mettre la capuche. Déjà, capuche qui ne me protège pas assez. Donc là, vraiment, je sens que ma tête garde la chaleur. Et donc, imaginez pour celles qui sont nappies ou qui veulent l'hydratation de leurs cheveux. Donc, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Sans plus tarder, donc maintenant, on va lancer la vidéo. Donc, la vidéo que je fais aujourd'hui, comme vous la voyez au titre, c'est justement parce qu'une abonnée m'a approchée par rapport à une problématique qui était que depuis 2016, elle est mariée et son mari est venu au Canada. Entre-temps, je pense que maintenant, il est déjà résident et elle trouve ça bizarre que jusqu'à 2020, elle ne soit toujours pas venue au Canada. En fait, elle n'a pas l'impression que la procédure avance. Donc, j'ai essayé de creuser un peu. Je lui ai posé des questions pour savoir, en fait, jusqu'à date, qu'est-ce que son conjoint a fait, en fait, pour lancer le regroupement familial. Parce que ça, c'est des choses que le gouvernement québécois ou le Canada, même en général, essaye de faire en sorte. Ils ont essayé, depuis 2017, ils ont lancé un communiqué comme quoi qu'ils essaient de réduire les temps comment je peux dire, les temps d'attente, en fait, pour que les familles puissent profiter plus rapidement du regroupement familial. Donc là, je lui ai demandé, vous êtes marié depuis 2016, ton mari est venu au Canada, qu'est-ce qu'à date il a fait? Est-ce qu'au moins tu as un passeport? Elle me dit, oui, elle a un passeport. Est-ce que tu as ta copie de ton acte de mariage, que lui, il a sa copie, machin? En plus, ils ont un enfant, ils ont eu un enfant en 2014. Donc quand ils se sont mariés, vous savez que le mariage légitime automatiquement les enfants qui sont nés avant le mariage dans le couple. Et donc, elle me dit, oui, elle a son passeport. Je lui dis, est-ce que tu as eu une communication entre ton mari, l'ambassade, l'immigration, tout ça? Parce que tu as l'impression que ça avance. Elle me dit, opaque, flou, le gars ne lui donne aucune information. Je lui dis, c'est très bizarre. Parce que déjà, pour toute personne, mettons même que vous viviez tous les deux au Canada, OK, et que vous décidez d'aller vous marier au Cameroun ou peu importe le pays où vous voulez vous marier. Si tu veux que ton mariage soit valide ensuite à l'état civil québécois, je reste au Québec, état civil québécois. Quand vous revenez du Cameroun, vous revenez avec chacun votre copie d'acte de mariage. Il y a ce qu'on appelle la procédure d'insertion. L'insertion, c'est en fait qu'on va insérer votre acte de mariage dans l'état civil québécois. Donc, ça vous prend votre copie d'acte de mariage, l'original. Ça prend une preuve d'adresse de la personne qui fait la demande. Ensuite, cette procédure-là est gratuite. Pendant le temps qu'on fait l'insertion, on étudie la demande, c'est gratuit. Une fois donc que l'état civil a, comment je peux dire, validé que, OK, votre acte fait maintenant donc partie, on a inséré votre acte de mariage que vous avez fait, par exemple, à Ouagadougou, maintenant dans le Québec, ça veut dire que votre mariage est soumis aux lois et règles et obligations québécoises. Je lui ai demandé, est-ce que par hasard, tu sais si ton mari a fait ça? Elle ne sait pas. Donc, en fait, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour, en fait, aiguiller, en fait, tous les conjoints
qui se retrouvent mariés et qui n'ont pas d'informations de la part de leur conjoint. Parce que beaucoup font que quoi? Ils vous épousent souvent au pays, genre pour te cadenasser. Ensuite, eux, ils viennent ici, ils se rendent compte que ah, finalement, ce n'est plus avec toi qu'il veut faire sa vie. Donc, il est marié là-bas. Ici, au Québec, on ne sait pas qu'il est marié. Il commence à jouer sa vie. Toi, tu es cadenassé là-bas, tu ne peux pas te remarier parce qu'il faut que tu divorces. Lui, il est ici, ou il ou elle est ici, fait sa vie, machin, n'a pas déclaré votre mariage, et puis patata. Et puis, les années passent, tu ne viens jamais au Canada. Ça fait quand même 4 ans, la fille d'autrui est toujours au Cameroun. Donc, je lui ai dit, il faut que tu valides avec ton mari s'il a fait la procédure d'insertion. J'ai voulu l'aider dans le sens d'aller regarder si je suis capable de voir si son acte de mariage, leur acte de mariage est reconnu au Québec. Je ne sais pas comment faire sur le site de l'état civil pour valider cette information. Les seules choses que j'étais capable de voir, c'est les avis de mariage. Donc, les personnes qui ont l'intention de se marier ont fait la publication des bans. Tu vois, en fait, les dates de célébration, la ville de célébration. J'ai essayé de taper le nom de la fille. Je ne sais plus si elle m'avait demandé de me donner le nom du mari pour que je voie, mais je n'étais pas capable. Je vais continuer d'investiguer un peu dans ce sens parce que je trouve ça quand même méchant que plusieurs personnes, comment je veux dire, bloquent la vie d'autres personnes comme ça. Si tu ne veux plus épouser quelqu'un ou si tu ne veux plus être avec quelqu'un, fine, va divorcer de la personne, mais ne fais pas miroiter la personne. Donc, ce qu'elle me dit, c'est que ils se sont mariés en 2016, le gars est venu au Canada. Après, le gars lui a raconté une histoire comme quoi que il faut qu'elle fasse un autre acte de mariage, autre acte de mariage qu'il n'a pas signé vu qu'il n'était pas au Cameroun. Donc, comme vous savez, au Cameroun, on est capable de diminuer l'âge de quelqu'un, on est capable d'aller refaire un acte de naissance de quelqu'un. Je ne savais pas qu'on était aussi capable de dupliquer les actes de mariage. Donc, l'acte de mariage que le gars lui a demandé de faire maintenant datait de 2017. Je pense. Et il n'a pas signé. Ensuite, il lui a demandé de lui envoyer tout ça. Donc, et sa copie à elle du mariage qu'elle avait de 2016. Et la copie de 2017 qu'elle a fait, le gars a tout ici. Même l'acte de naissance de l'enfant, l'original, c'est le gars qui a. J'ai essayé de regarder pour la procédure d'insertion si j'étais capable d'aider la fille pour qu'elle fasse une demande. Et donc, j'ai bloqué le gars. Mais c'est uniquement la personne qui vit, qui est capable de justifier d'une preuve d'adresse, en fait, dans le Québec, qui peut faire la demande. Donc, son conjoint, quoi. Donc, mettons, il faut qu'il envoie une preuve d'adresse, genre quelque part, qui prouve qu'il habite à telle adresse dans le Québec. Son original de l'acte de naissance, de l'acte de mariage. Je pense que ça prenait aussi 2 pièces photos, 2 cartes photos, 4x4, je suis plus sûre, je vais regarder. Et donc, je me rends donc compte que, en fait, la seule chose que le gars a faite, ou la seule chose que la fille a, c'est un passeport. Après tout le reste, tous les originaux, acte de mariage, l'acte de naissance de l'enfant, le gars, c'est lui qui a. J'ai dit, c'est quand même incroyable. Surtout sachant qu'en 2017, le gouvernement, l'immigration et revue, immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a justement réduit les délais de procédure pour tous ceux qui font les regroupements familiales suite au mariage. Est-ce que vous savez même que même un enfant qui est né à l'extérieur du Canada, si maintenant le parent devient résident, tu peux faire l'insertion de l'acte de naissance de ton enfant, toujours aussi à l'état civil québécois. Donc, je ne comprends pas. En fait, je comprends parfaitement ce qui se passe. Je me suis donc rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces cas. Assurez-vous que quand vos conjoints vous épousent et qu'ils vous disent que bon, je pars au Canada chercher une autre vie, je vais te faire venir, assurez-vous d'aller chercher aussi l'information sur le site d'immigration au Canada, ce qui concerne le parrainage. Parce qu'il ne faut plus que vos conjoints ou vos conjointes vous trompent. Genre, il y a des choses, il y a des étapes. Une fois qu'on a fait l'insertion, donc maintenant, il faut qu'il lance dans la procédure donc de regroupement familial avec l'immigration. Et tu es capable de demander des preuves qui montrent que, bon, il ou elle est en train d'évoluer dans le processus. Parce que quelque part, à un moment ensuite, on va te donner le CSQ, le certificat de sélection du Québec, qui montre quand même que la procédure est en train d'évoluer. 4 ans, tu n'as toujours pas ça. Dis-toi que ton conjoint, ta conjointe est en train de tourner dans la sauce d'arachide avec une toubécone. Parce que ça ne se peut pas. Ou bien pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, là, il est en train de tourner dans sauce placali avec sauce graine. Ça ne marche pas. Et je trouve ça tellement méchant que quelqu'un sache que... En plus, elle m'a dit que oui, j'ai découvert que le gars mène une double vie ici au Québec. Il était déjà avec une Québécoise. Vous savez, les femmes, le sixième sens, Facebook, tout ça. Donc, quelqu'un t'épouse au Cameroun, après il vient vivre sa vraie vie ici, il ne te divorce pas. Toi, tu ne peux pas te marier tant que tu n'es pas divorcé. Vu que tu es marié à l'état civil camerounais, il faut que tu divorces. Et tu ne peux pas divorcer. Encore que tu peux te divorcer, par contre, c'est-à-dire si la personne n'est pas là, on prononce le divorce
à défaut contre lui, mais c'est les procédures, tant que ta grosse sorte pour que tu te maries, je trouve ça tellement méchant. La fille d'autrui, elle a quoi? Elle m'a dit qu'elle a quoi? 24, 25, 26 ans? Je sais pas. Ça se trouve, elle va rencontrer quelqu'un de vrai qui va l'épouser. Donc, ce mec, il t'a fait un enfant. Il t'a épousé. Maintenant, il est venu au Canada. Ça n'évolue pas, ça n'évolue pas. Et on est là dans tout ça. Donc, première étape. Quelqu'un qui t'épouse, ensuite qui dit qu'il part et qui veut faire le regroupement familial, il a l'option de faire l'intégration de votre acte, dans votre acte de mariage à l'état civil québécois. Ou même, si après il ne fait pas ça, la procédure de regroupement familial, à partir du moment où tu as épousé un résident ou un citoyen canadien, il y a des étapes. Genre, il faut qu'à un moment, à un moment, on t'appelle pas pour te demander, il faut tes pièces. Il faut, tu reçois un certificat de sélection Québec qui montre un peu que la procédure est en train d'évoluer. Tu ne reçois pas ça. Il ne te fait pas, genre, tu n'as pas des visites médicales à passer. Rien, parce que la visite médicale, c'est vraiment la dernière étape. Tu n'as pas de visite médicale à passer 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Dis-toi que tu es dans un pain haricot avec piment. Genre, la personne est en train de te mentir, en fait. Donc, je vais essayer de vous laisser les liens du site, des informations que j'avais trouvées. Ça va être plus facile s'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, d'aller en fait maintenant poser les vraies questions à leur conjoint. Et c'est plus qu'on vous raconte parce que le gars commence à lui raconter que oui, à cause du Covid. Maintenant, beaucoup de gens vont profiter de la situation du Covid pour dire que c'est pour ça que ça traîne, c'est pour ça que ça traîne, c'est pour ça que ça traîne. Alors que quelqu'un sait que de prime abord, il n'avait même pas lancé la procédure. Genre, comme il y a les serial d'auteur, il y a les serial talkers, il y a aussi les serial marieurs qui épousent et puis ne vont nulle part. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Donc, je vais laisser en lien le lien de cette vidéo-là, de ce site-là, Immigration, où je suis allée trouver l'information. Je vais aussi laisser toutes les informations par rapport à la jolie tuque que je porte et leur site internet, donc vous pouvez aller vous renseigner si ça vous intéresse. Je pense qu'elle livre aussi à l'extérieur. S'il y en a en France ou dans les autres pays que ça intéresse. Sinon, partout au Canada aussi, elle fait la livraison. Edens Equity. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer un bon week-end parce que nous, ici, c'est vendredi. Et donc, voilà.